Le public est venu nombreux assister à la clôture du GNT 2011. Dans l'œil du viseur, le maillot jaune, Kif de Villeneuve. Il est assuré de remporter le tournoi après 3 victoires brillantes en région. Dans le GNT, j'ai particulièrement aimé sa façon de faire à Nantes. Il avait plus les coudes, il avait plus rien, il était délié, le cheval il allait tout seul, c'était merveilleux. C'est un cheval robuste qui suit tous les trains, qui s'adapte à tous les profils de parcours et qui le fait à chaque fois facile. Il n'a pas de tactique particulière, il peut venir de derrière, il peut emballer de devant longtemps. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un cheval comme ça pour faire le GNT. Face à lui dans cette finale, d'excellents trotteurs comme Kumba de Guèze, la tenante du titre. Et gagner aujourd'hui est un très grand défi. Côté bonheur, ça va, mais s'il gagne, ça va être un grand kiff. Pour la clôture du GNT 2011, on va partir. Et l'incroyable se produit, venu en tête à un tour de l'arrivée, Kif de Villeneuve se retrouve en finale à la lutte avec Quigno du Relais. Son copropriétaire garde le sourire jusqu'au bout, même si la lutte est acharnée. Kif de Villeneuve l'emporte finalement du minimum, mais l'emporte. Kif de Villeneuve qui repart de plus belle. Kif de Villeneuve l'emporte. C'est vraiment un grand grand kiff maintenant, c'est un grand cheval. Il l'a fait à la manière d'effort, il l'a envoyé de loin. C'est un rouleau compresseur et surtout il est étalon aujourd'hui.